On en a vu des comédies françaises, mais pour des comédies françaises qui s'intéressent un peu plus à la technologie, ça peut paraître un peu nouveau. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Selfie, qui sortira en janvier 2020, avec au casting Blanche Gardin, Max Boublil, Manu Payet et bien d'autres encore. Donc ce sont tous des comiques français qui vont se réunir dans ce film Selfie, et je vais vous lire maintenant le résumé. Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d'entre nous finissent par craquer. Addicts ou technophobes, en famille ou à l'école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d'Homo Numericus au bord de la crise de nerfs. Bon, vous avez compris, ça va être peut-être différentes histoires, mais tous les personnages sont liés d'une certaine manière, et ça va raconter un peu l'influence qu'a les réseaux sociaux, l'influence de la technologie sur eux, sur leur travail, sur leur vie et plein d'autres choses. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder tout de suite cette bande-annonce vraiment très courte. Une minute même pas, c'est 50 secondes quoi. Ce n'est qu'un tout petit teaser d'un petit film de comédie française, donc c'est normal. Mais bon, ouais, 50 secondes, c'est petit quoi. Cette vidéo va être vraiment très rapide. Allez, lumière moteur, ça tourne, réaction, générique. Selfie, bande annonce, c'est parti. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec Émilie des problèmes de boulimie. Mais j'ai pas de problème, moi. Et je vous fais les 100 000 abonnés pour 3000 euros. Et à ce prix-là, on peut avoir des commentaires positifs. Eh, je le fais pour une comédie française sur deux. Je ferai qu'au début. Les gens finiront par s'intéresser à nous. Ouais, c'est ça, ouais. Alors aujourd'hui, on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire, parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse. Putain, mais merde! Vous voyez pas qu'il y a une caméra, là? Tout le monde s'en branle de nous. C'est vrai. Merde, merde. C'est chiant d'être allergique au chat, putain. On aura un chat. On aura des millions de vues, là. 50 secondes, c'est tout petit! C'est Blanche Gardin qui essaye de percer sur YouTube, quoi. Ou sur un autre réseau social, mais bon. Ce réseau social où elle poste ses vidéos pour espérer un peu de popularité et d'argent, elle finit par filmer absolument tout de la vraie vie. Et donc du coup, bon, elle se rend compte que, on passe un peu inaperçu, même s'il y a nos caméras, et tout le monde s'en fout de nous. Bon, je dis pas que ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que quand t'es un tout petit youtubeur, que t'as une caméra et que tu filmes dehors, c'est vrai que t'as l'air un peu d'un abruti. Ou en tout cas, on fait pas du tout attention à toi. On pense que, ouais, c'est juste un petit film de voyage comme ça pour la famille, alors que non, en fait, ça va direct sur YouTube. Ouais, c'est tout le problème des petits youtubeurs, on va dire, hein. On s'en fout un peu de nous, on n'arrive pas à percer sur YouTube, alors qu'on fait des petites vidéos où on dit que le bio c'est bien. Alors oui, bon, c'est les vidéos de Blanche Gardin, mais voilà, c'est pas les miennes en tout cas. Bon, vu que le montage est vraiment fait très vite, la bande-annonce dure moins d'une minute, on voit tout en accéléré, donc tout ce qu'on retient c'est qu'il y a Blanche Gardin. Dans le feu de l'action, je n'ai pas remarqué Max Boublil ou Manu Payet. J'ai juste remarqué que ils sont deux à faire ces vidéos, et ils remarquent que, on s'en fout d'eux. Et ils aimeraient être un peu plus connu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était vraiment très courte. Et l'interprétation aussi était courte, mais bon, 50 secondes, J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à suivre toutes les autres vidéos qui arriveront sur la chaîne, et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à activer la cloche pour avoir toutes les notifs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupé.